Excusez-moi, j'ai envie de lancer un grand débat. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe avec les moustiques là, hein? Enfin, je veux dire, on avait une sorte de pacte à la base, hein? Ce qui était prévu, c'était que les moustiques nous attaquent uniquement à la tombée de la nuit, hein? Au crépuscule, quoi. Et encore, quand il y avait un point d'eau dans les alentours. C'était ce qui était écrit dans les textes. Alors, je vous le demande très naïvement, à quel moment c'est parti en couille? Ils ont muté. Genre l'autre matin, je me lève tranquille, peinard, je vais sur la terrasse avec mon petit kawa, quand tout d'un coup, ma guibole me gratte. Et pire, ma cheville me gratte. Ma putain de malléole. Oh les moustiquos en culosse! D'où vous brisez les règles? D'où? 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 Et surtout, pourquoi la cheville, bordel? C'est horrible! Aucun respect, les gars, hein? Alors, ok, vous nourrissez vos bébés, mais je sais pas, soyez raisonnables, choisissez au moins des lieux d'attaque agréables, tu vois, pas les chevilles, ou pire, l'arrière du genou, ou pire, entre les doigts, interdigital. Après, t'es comme un Yorkshire, tu trottes partout comme un débilos, là. En plus, ces petits bâtards, ils sont tout petits, perfides, on les voit pas. Mais on les entend. Alors, vient une autre question existentielle. Pourquoi ne pas tout simplement vous contenter de nous piquer, hein? Pourquoi venir nous réveiller avec votre ziboui-boui dans le creux de l'oreille? Après, on dort mal. Après, on fait corps à corps avec la couette pour être bien sûr qu'il passe pas, ces petits bâtards. Tu crèves de chaud, mais c'est pas grave, tu lâches rien. Comme quand on était petit avec les fantômes. Et les belbes que vous nous faites, on en parle là? Ce sont des tumeurs, les bordels, hein? Même Tchernobyl à côté, c'est une pucelle! Vous nous niquez les jambes pour l'été, bande de petites enculées! Je vais vous éclater vos abdomens remplis de sang, bande de petits prépuces volants! Voilà.